Urban Heat. Urban Heat. Vous êtes sur Urban Heat, c'est la spéciale et on vient d'écouter le medley de DJ Tick de notre invité Ariston. Yeah, yeah. Est-ce que je le prononce bien? Parfaitement. Oh, mais claque ton nom. Ouais. Ah, il tue. Non, ça tue, ça fait plaisir. Alors, juste pour dire, on a laissé le son Bonnie and Clyde en entier. Parce que c'est un kiff. Moi, c'est mon morceau préféré du projet. Et sincèrement, grosses vibes, comme je te le disais tout à l'heure. Ouais. J'aime beaucoup les flows variés, etc. Donc voilà, franchement. Merci beaucoup. En plus, le clip, il est dispo sur YouTube. Allez voir, cliquez comme Barberiche. Allez cliquer, il faut. Cliquer. Il faut soutenir les artistes, clair, surtout quand exactement. Ils ont du potentiel comme Ariston. Merci. On y va. Moi, j'ai l'habitude de faire un portrait. Ok. Donc vraiment, mon portrait est très objectif parce que comme je te le disais, je t'ai découvert il y a pas longtemps. Mm-hmm. Nous sommes encore à l'aube de 2017, mais je mets mon béret à couper que nous aurons encore notre lot de révélations, d'OVNI, de princes autoproclamés, d'artistes ressuscités et de belles surprises. L'artiste que nous recevons ce soir sera probablement dans l'une des catégories précitées. Son nom est Ariston. Même si il a une dégaine de jeune premier et un nom de premier de la classe, je suis sûr qu'il saura se faire sa place aux côtés des gros bras du game, tant son potentiel est grand. Bon, la route est longue, on se retrouve à la fin de l'émission pour voir si on valide l'étape Urban Heat. Ça pète. Non, valide. Long portrait. Oui, bien sûr. Long portrait. Bien sûr, tu m'as inspiré. Non, ça tue. Franchement, ça tue. Tu m'as inspiré de fou. Merci beaucoup, poto. Non, très. D'habitude, tu vois, ça sort du lot, ça encore, c'est déjà. On essaye, comme je t'ai dit, berger pas mouton, on essaye. C'est clair. On essaye. C'est ça qu'il faut. Essaye un peu de nous parler de toi. Tu nous dis depuis combien de temps tu. Attends. Quoi? J'ai vu qu'il allait se lancer. Moi, j'aime bien couper les gens. Tu sais comment je suis. On va faire une petite minute promo. D'accord. C'est bon, c'est le bon moment, Barbarish. Vas-y. J'ai le droit. Je te donne l'autorisation. Le concept, c'est que en une minute, tu dois nous donner envie d'écouter ton album. Donc, du coup, pas l'acheter, mais du coup, écouter ton album. Déjà, il est gratuit, ça veut dire c'est pour ça envie. Que c'est une envie supplémentaire. S'il est gratuit, ça va être plus facile, tu vois. Exactement. Non, franchement, c'est une vraie carte de visite où j'ai mis à peu près tout ce que je savais faire, même si on en a gardé sous le capot exactement. Mais vraiment, on a essayé de montrer un peu tout l'univers d'Ariston qu'on avait déjà un peu montré dans les Norman Bates, mais dans Bates Motel c'est plus prononcé. Il y a de la musicalité, on a essayé de chanter, on a essayé de ramener quelque chose de différent, comme le dit Barbery. Et c'est juste. Merci. Bon, alors du coup, je te pose des questions du tac au tac. Vas-y. Faut que tu répondes. Vas-y. En vivacité. Pas de galère. Quand est sorti le projet? Le 28 novembre 2016. Pourquoi ce blaze Ariston? Parce que je m'appelle Aris et le délire stone, le délire, tu vois, le délire planant, tout ça, c'est. Ok, ton son préféré d'album? Enemy. Pourquoi Bates Motel? Parce que j'ai choisi un personnage qui s'appelle Norman Bates et j'aime bien le côté berger pas mouton, comme le dit Barberich. Merci. Combien de temps pour le faire? 2 ans. Où est-ce que tu l'as enregistré? Dans des studios sur Paname. Et pour finir, est-ce qu'il y a un concert en showcase de prévu? On en a déjà fait un et on va voir. Là, on est dessus. Mortel. Cool. Minute promo. Ouais, cool. Il a bien vendu ça. Il a bien vendu ça. En plus, c'est clair. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est dans le game, carrément. Et déjà, ça fait 2 ans. T'as mis 2 ans pour faire ce projet? Ouais, on a mis 2 ans parce que. Après, il y a des sons un peu plus vieux que 2 ans. Mm-hmm. Mais ouais, on a mis 2 ans pour voir un peu la progression, tu vois. Parce qu'il y a 2 ans, je me cherchais encore. Je rappe depuis 3 ans et demi. Tu vois, donc je me cherchais. T'avais pas encore trouvé le délire des lunettes? Non, c'est arrivé là, c'est arrivé. Quand on a commencé à envoyer les visus, c'est arrivé. Ah, parce que la pochette, elle est plutôt cool. Merci. Elle est plutôt cool et du coup, ça te fait un signe vachement identifiable, je trouve. Grave. C'est plutôt bien trouvé. Merci beaucoup. Ouais. Tu disais que ton projet était gratuit. Mm. C'est quoi la suite? La suite, je pense qu'on va rester sur du gratuit pour continuer à se. Après, je suis sûr de rien, tu vois. Ça se trouve, ça va péter demain et on pourra se permettre. Mais c'est mieux, je pense, de rester sur du gratuit pour. Donner envie et laisser le choix aux gens d'écouter et de kiffer ou pas, tu vois. Ouais. Et rendre ça accessible aussi. C'est ça. Parce que du coup, tu crées pas de barrière à l'entrée. Exactement. Et le plus de gens possible peuvent l'écouter. Totalement, finalement. C'est ça. C'est le but vraiment pour pouvoir donner envie et vraiment que les gens ils puissent écouter ma musique sans contrainte en fait, tu vois. Donc je pense que le deuxième, il y aura peut-être un projet gratuit encore. On bosse dessus, on a déjà pas mal de sons. Avec un autre nom de série qui t'aura inspiré? Je sais pas, franchement je sais pas si je vais rester dans les séries. Si tu vas créer un délire dans ce sens-là. Ouais, peut-être un autre concept encore, je pense. On aime bien. Au début, j'étais sur les délires de manga, tu vois.
Et mais comme très à la vogue en ce moment. Ouais, voilà, comme c'était trop à la mode et que j'aime pas ça se fait en masse, tu vois. Je me suis dit, le Norman Bates, ça pète. En ce moment, c'est Dragon Ball qui cartonne tout. Ouais, on en entend partout. Il y a les albums entiers avec des blazes. Sans beaucoup à chaque couplet. Et est-ce que t'as pas peur, tu vois, parce que là, tu disais que t'allais faire deux. Bon, le premier gratuit, deuxième gratuit, de donner de mauvaises habitudes à ton public. Non, mais c'est une question que je me pose souvent lorsque les artistes proposent des projets gratuits comme ça. Moi, je pars du principe que... quand j'aurai mon public et que le public il va vraiment accrocher à ma musique, un public qui accroche à la musique et qui accroche à l'artiste, il a envie de donner la force à l'artiste, tu vois. C'est vrai. Et je pense que c'est en leur laissant le choix et le temps de me découvrir qu'ils vont avoir envie aussi de me supporter pour de vrai, tu vois. Donc et puis même le côté l'envie de pas faire comme tout le monde, ça donne aussi envie aux gens de s'attacher au truc, tu vois. Pas qu'ils disent c'est un Jul ou c'est un Niro. Ouais, tu marques ta différence et t'essaies que les gens accèdent à ça finalement. Grave. Moi ça me va. Ah, il est fort. Moi ça me va. Je pense à bien. Chaque semaine on a l'habitude d'avoir un coup de cœur, mais là le coup de cœur il est là. Non, donc, il est à côté de nous. Donc le coup de cœur c'est toi qui vas choisir et donc du coup on aimerait que tu choisisses un des sons de ton projet qu'on va diffuser avant même. Plata au plomo. Plata au plomo, j'adore ce morceau. Évidemment, c'est inspiré des Pablo Escobar. Ah. Du coup, on vous laisse découvrir ça. On se retrouve après la pub. Urban Heat.